La pire des choses qui peut arriver à une femme au Maroc aujourd'hui, c'est d'être mère célibataire. Le journalisme m'a nourri, a nourri mon désir de cinéma et ma manière de faire du cinéma. Parce que ce qui m'intéressait avant tout, c'était les histoires des autres, les réalités des autres. J'avais envie de pouvoir leur donner une voix à travers les articles que j'écrivais, à travers les mots. Mais je pense que le cinéma peut nous aider à vivre justement une expérience à travers l'émotion, de pouvoir derrière accéder à l'intellect, mais de passer d'abord par l'émotion, donc à travers l'image. Donc je pense que dans mon cas, j'ai senti que c'était encore une autre manière d'expérimenter les choses. La pire des choses qui peut arriver à une femme au Maroc aujourd'hui, c'est d'être mère célibataire, d'avoir un enfant hors mariage. Parce qu'elles sont mises sur le banc de la société, rejetées par leur famille, et se retrouvent beaucoup de fois à la rue, enceintes, sans aucun espoir. C'est parti de quelque chose de très personnel, d'une rencontre que j'avais faite avec une mère célibataire il y a 17 ans. C'était une femme que mes parents avaient accueillie à la maison quand elle a atterri devant notre porte, enceinte de 8 mois, et totalement apeurée, désemparée. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marquée. Et en devenant mère, moi-même, j'ai ressenti le besoin, l'urgence de raconter cette histoire. Adam est sorti au Maroc et ce que j'ai ressenti moi, c'est qu'il y avait un vrai désir de débattre, de parler de ces femmes dont on ne parle pas, qu'on choisit de ne pas regarder, de ne pas voir. Et pour beaucoup aussi de pouvoir justement défendre ces femmes-là et faire avancer les choses. Le film s'inscrit dans une sorte d'ébullition qui s'est emparée du pays et qui est menée beaucoup aussi par les femmes qui prennent en main leur destin, qui ont envie de défendre leur place, leurs droits fondamentaux, qui n'ont pas peur de s'exprimer ouvertement par rapport à l'IVG, par rapport au fait de pouvoir disposer de son corps comme on l'entend. Oui, je peux dire que je me considère comme une cinéaste engagée. Ce que je défends aussi à travers ces films-là, ce que j'ai envie de dire, sont des choses qui me touchent, qui parfois me révoltent, qui me heurtent. Mais je ne pense pas que ce soit forcément mon rôle ou le rôle d'un artiste ou d'un cinéaste de chercher de manière réfléchie à briser les tabous. Ce qui compte pour moi, avant tout, c'est d'être dans une démarche sincère, c'est de parler de choses qui nous touchent, et qu'elles soient de l'ordre ou du tabou ou pas, ça c'est pour moi quelque chose qui vient dans un second temps. Par rapport à mon prochain projet, je sais de quoi je vais parler, c'est là, c'est présent, ça me hante, ça m'empêche de dormir, et j'écris. Après, je
pas en parler tout de suite parce que c'est encore un état embryonnaire et c'est comme tout début d'une grossesse où justement on a juste besoin de vivre les choses avant de pouvoir mettre des mots dessus. Mais en tout cas, c'est avant tout une histoire qui traite de l'humain et où j'ai envie de raconter et d'explorer l'intime.